tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo unboxing. Alors je filme avec mon téléphone, j'espère que vous verrez bien. Il s'agit d'un unboxing avec la boutique Dai Digital Art. Voilà, je vous rappelle que ça fait très longtemps que je suis en collaboration avec ce site. Il y a beaucoup de diamond painting, tout ce qui est bricolage d'épée. Je vous ai trouvé des super bricolages vraiment trop mignons pour le thème de Pâques. Il y a du point de croix, il y a des décorations, des lampes, des sacs. On peut également y faire son DP personnel. Donc, c'est vraiment un site très, très, très complet. Le site est très bien fait. Voilà, et vous avez un code de réduction. Ils ont des coupons réduction sur le site. Il y en a un en ce moment qui était de 7% de réduction. Alors, j'ai choisi quelques articles. Et notamment sur le thème de Pâques, puisque on va vite y être. Alors, j'ai choisi vraiment des choses sympas, j'espère que ça vous plaira. Alors déjà, j'ai choisi quelque chose pour le point de croix, puisqu'ils font également du point de croix. Ils ont des petits outillages sympas pour le point de croix. Et j'ai choisi cette petite, on dirait une petite palette. Elle est très 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 jolie pour y accrocher nos fils. Alors, je travaille en ce moment avec des bobinettes, je vous avais montré, hein, et là, ils font des belles petites espèces de palettes, vous voyez, il y a les numéros, il y a 20 trous, de 1 à 20, il y a plein de modèles différents, il y a des petits chats, il y a des petits, voilà, des modèles mandala, c'est en espèce de bois, voilà. Regardez comme c'est joli et c'est super beau. Donc on y accroche. Moi j'ai gardé pour le moment les feuilles, enfin les espèces de palettes où ils accrochent eux-mêmes les fils en quoi, c'est du carton. Voilà. Et quand je prends mes fils, je les accroche sur une bobinette puisque comme je fais du 11T, je dédouble mes fils. Et donc maintenant, au moins, je pourrais accrocher mon rab ici. Tiens, celui-là, c'est le numéro 1. Ça, c'est le numéro 5. Je suis quitte de regarder parce que des fois, je suis obligée de rechercher les références. Voilà. Donc là, il y a les numéros, il y a tout. Il n'y a pas besoin de noter sur les bobinettes de mettre des étiquettes avec des numéros. Les numéros, ils sont déjà gravés ici. Franchement, c'est très, très joli. Alors, il y en a en forme de cœur, il y en a carrément en forme de chat. Hop, il va me dézoomer, oui, non. Donc, franchement, je trouve que c'est vraiment très, très beau. Très original. Voilà, donc ça, j'ai pris ça pour le crochet. Après, j'ai pris donc du DP. Alors, vous allez vous demander ce que c'est. Donc, c'est un petit kit. C'est une nouveauté parce que moi, je n'avais jamais vu. On connaît les porte-clés, on connaît les broches, on connaît les pinces. Mais là, on ne connaissait pas, enfin, je ne connaissais pas les boucles d'oreilles. Alors, on a le petit kit avec quelques sachets zippés. Waouh, les diamants. Oh, regardez, ils sont énormes. Alors, hop. Allez, on va faire autrement aujourd'hui. On va commencer par les diamants. Regardez comme ils sont beaux. Du bleu, du rose, des diamants à baie, évidemment, blanc et jaune. Alors, je vous explique, ce sont des boucles d'oreilles. Donc, il y a une paire. C'est la première fois sur un site de diamond painting. Ou alors, ça fait longtemps que ça existe et franchement, je n'avais pas vu. Bien souvent, je vais voir, nouveauté, mais je n'avais pas vu. Donc, vous pouvez choisir la forme. J'ai pris cette forme-là. Alors, je ne voulais pas un truc trop... C'est vrai qu'il y a des plus grosses, mais... Alors, tu ne veux pas me le faire? Voilà. Je ne veux pas vous avoir mieux. Donc, il y en a deux, évidemment. C'est mieux. J'ai deux oreilles. Et là, on a donc les petits titis, les petits crochets. Alors, oui. C'est jaune, le... Où il y a le clou, ça sera jaune. Bon, c'est pas bien grave. Hein. Et puis après, on va faire le petit. Voilà, il y a des petits maillons ici pour mettre. Et puis là, ça va faire les petites boucles d'oreilles. On a les numéros 6, donc c'est les gros qu'on a vus là. Voilà, donc c'est à nous de monter les boucles d'oreilles et il faut les diamanter. Donc c'est très rapide à faire. Hein. C'est pas.
Et j'ai trouvé vraiment que c'était sympa. Alors, j'ai choisi une paire pour voir ce que ça donne. Je vous la ferai en vidéo parce que c'est pas courant. C'est pas des choses qu'on a l'habitude de ni de voir ni de faire. Donc, je vous ferai... Oups, c'est bon. Une petite vidéo pour vous montrer voilà, les boucles d'oreilles. Donc, c'est recto verso. Hop là, voilà. Donc, c'est recto verso. Et donc... ça va être super sympa à faire. Et une première surtout. Donc on a le petit kit, voilà, la petite colle, le récipient, le stylet et les sachets zippés. Sachant que tous les diamants spéciaux là sont dans des sachets zippés déjà. Ils vous ont mis ça dans une petite boîte en plastique bien sympa. Donc ça va être très bien. Alors passons pour le bricolage de Pâques. Regardez ma mignonnerie du jour. Elle est magnifique. J'ai pas ma règle là. Alors, je suis sur le bureau. Peut-être que Timéo aurait une règle. Mais bon. Je vais pas fouiner. Ouais, il y a une équerre. Ça devrait faire l'affaire. On va mesurer la bête. Hein. Alors. Donc, tout est bien emballé. Hop là. Alors, c'est comme les décos de Noël, hein, les bricolages diamond painting qu'il y avait à Noël, ou celui avec l'arbre, avec la gorgeous, etc. Alors, le socle n'est pas à faire. Alors, il y en a deux, c'est pour solidifier l'ouvrage. Voilà, et voici le lapin. Mais franchement, il est magnifique. Vous me direz ce que vous en pensez, mais vraiment, je l'ai trouvé trop mignon. Mettre sur une table, voilà, on vient le clipser ici. Voilà, donc là j'ai la protection évidemment, hein, mais... et voilà la bête. Alors, je le trouve vraiment trop joli, le décor est très bien là. Il est pas recto verso, hein. Donc on n'a qu'un côté à faire. Alors je vais quand même vous mesurer la taille en partant des oreilles. 14, 24, 25 cm de haut. Et au plus large, on est à... au plus large. 16, 17 cm. Franchement, alors il y a du... ouais, y a du boulot au niveau des œufs et tout. Il est vraiment trop mignon. Alors, on a le kit, hein, avec quelques sachets zippés. Et puis, on a des strass, donc... je vais vous les montrer, désolé pour le bruit. Waouh, on a beaucoup de bleu. C'est du bleu. Donc tous les sachets sont bien numérotés, c'est bien lisible. Waouh, les belles couleurs qu'il y a. Je vous les fais défiler et vous pourrez les voir. Donc le dos des diamants est gris, donc ce sont des strass. Hein. Et après, on a des spéciaux. Regardez. Oh, des petites larmes, des petites boules. Ceux-là sont très beaux aussi. Donc vraiment, on a des jolis strass et des jolis diamants spéciaux. Il y en a pas mal. Hein. Vous avez vu, j'ai pas mal de sachets ribambelles. Donc hop, ça, on va les ranger. Alors, les symboles sont très bien faits. On voit très bien ce qu'on fait. Là, il y a un petit truc noir, mais c'est rien, ça va partir. Voilà. Donc, il est, voilà, il n'y a pas les deux côtés à faire. C'est pas plus mal parce qu'il y a toujours un côté qu'on arrive moins à faire. Oh, les yeux, il est trop mignon. Voilà. Donc, c'est des petites décos sympas. Ça doit être 12 ou 13 euros. Je trouve que franchement, c'est joli. Et puis ça fait voilà. Ça fait une belle petite déco pour mettre sur un petit meuble, une table pour Pâques. Et je trouve que ça fait craquer les enfants. Enfin, ça fait même craquer les adultes parce que vraiment, ils sont vraiment très très mignons. Alors, on va mettre les diamants dedans. Mmh.
Donc j'ai prévu un petit peu en avance, mais bon, on va vite y être, hein. Le temps passe tellement vite que j'ai prévu le coup. On a ce bricolage-ci, donc un autre modèle, il est dans une boîte. Ça me fait penser justement au bricolage de Noël. Alors, on va déballer ensemble. J'ai pas ouvert, hein, j'ai rien fait. Hop, ça tombe. Alors, celui-ci a une particularité, c'est qu'il va se poser. On va, c'est comme les décos Noël, comme mon train par exemple, si vous vous rappelez. Il va y avoir des petites intersections là. Voilà, avec il y a le tournevis. Et on va y mettre les LED tout autour. En fait, il va être comme ça. Il y aura deux supports. On a le petit récipient pour les piles. Ça, c'est le petit kit. Il y a quand même pas mal de sachets IP. Et donc, voici l'ouvrage. Alors, voilà, c'est ce que je vous disais. Sauf que c'est un petit peu collé. Voilà. Donc, il y a ce côté-là. Et il y aura l'autre côté à faire également. Regardez le motif. Ils sont très, très beaux. Franchement, donc ils sont identiques. On va les faire, on va les vernir et en fait on va les mettre comme ceci. Voilà, et ça va tenir debout grâce aux interstices, je sais pas comment vous dire, aux petits intercalaires en plastique ici et aux petites vis qui vont venir se mettre entre. Et puis on y mettra donc, on va y enrouler le fil LED et on y mettra deux piles pour que ça fonctionne. Ce sera mieux. Mais en tout cas, j'ai trouvé, c'est pareil. Donc, celui-là est un petit peu plus cher. Je crois qu'il est autour de 16-17. En fait, il est super joli. Franchement, la maison champignon, les œufs, le petit lapin, il est trop, trop beau. Franchement. Et je suis en train de me dire que sans la maison champignon, c'est le même motif. Je viens de faire attention. En fait, il est en train de peindre les œufs. Et là-dessus aussi. Et ils ont la même tête. C'est son petit frère. Je viens de le voir, ça m'a tilté. Donc voilà, il y a les deux côtés à faire. Les petites piles, ça va être super mignon. Ça va me rappeler mon petit train de Noël. Donc regardez bien, hein, il y a marqué avec lampe LED. Hein. Il y en a des tout simples et il y en a avec LED. Je vous fais passer les strass. On a vraiment plein de couleurs. Je vais vous dire combien il y en a. Oh là là, ils sont beaux. Hein. Voilà. Et on a ce petit sachet. Oh là là, des petites. J'appelle ça des petites merdouilles. J'aime pas poser ce genre de strass, mais enfin bon. Plus c'est petit, plus c'est joli, plus c'est mignon. Plus ça va être joli. Mais alors, on a une. On a 17 sortes de diamants. Alors, je vais essayer de vous épargner le bruit. Pas évident. Il y en a 17. Waouh, il est beau. Hein. Alors, évidemment, je vais en garder un pour moi. Je vais en offrir un à ma maman. Et puis, je vais sûrement en recommander d'autres modèles parce que franchement je trouve ça très très joli. Voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire, allez faire un tour sur ce site, il y a vraiment plein de choses. Il y a beaucoup de diamond painting de Pâques également. J'ai choisi un petit peu des bricolages pour changer et puis surtout je voulais un petit peu ça pour y ranger mes diamants. Alors on va tout remettre comme c'est. Moi je fasse une petite photo, oui, je vais laisser ça comme ça, je vais faire une petite photo. Voilà, donc j'espère que cet unboxing vous aura plu. Je vous invite à aller voir la boutique Dye Digital Art si vous ne connaissez pas. Il y a vraiment plein de jolies choses pour se faire plaisir. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye !